Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Crossout, chers amis. Et nous allons avancer par là, vous savez, vous connaissez bien notre chemin dans ce coin là. On va avancer comme ça, hop, et voilà, crac, on saute, on continue, on passe par là. On tourne légèrement, je dis bien légèrement. Ok, on se fait défoncer la nuit. Faudra avancer un petit peu. Voilà, crac. Merde. Ah ben, essayer de lui foncer dessus, moi. Hop. Hop, les deux, un. Et de deux. Our base is being captured. Oh bah merde. Et faudrait peut-être mettre une alarme ou je sais pas trop quoi. J'ai rien entendu, moi. Allez. Mais non, pas par là. Me gênez pas. Putain, me gênez pas. Oh la vache, non. Non. Oh la gueule. La gueule, il n'y en a pas un pour défendre. Pas un. Oh, ça m'énerve. Cette IA me gonfle. Alors vivement qu'il disparaisse et que le jeu sorte de sa closed bêta, parce que sinon, là c'est vraiment... Elle pourrit le jeu. Faut être honnête, elle pourrit le jeu, la bêta. La comment, la, pas la bêta, l'IA, pardon. Elle pourrit la bêta, cette IA. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et je me retrouve encore face au même joueur en face. C'est génial. Je crois qu'on est que deux sur le serveur. C'est violent. Oui, bah bien, 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 bien. Hop, on y est. Hop, et de 1. Ok. Cassez-vous. Hop. Tiens, bouffe. Crac. Aïe. Hop. Raté. Hop. Je crois que je t'ai tout cassé, l'ami. Oh, pourquoi ça? Pourquoi elle tire trop? Crac, le joueur. Le joueur est une cible. Crac, voilà. Ils sont plus que deux, on est quatre, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc ce joueur a une moissonneuse batteuse, intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Bon, apparemment il n'y aura pas de problème par contre pour la fin de la partie. Steven est tout seul. Il y a Adam et Alec. On devrait être bon. Devrait être bon.
Parfait, voilà, victoire, chers amis, victoire, victoire. Ça c'est fait. 1400 points d'XP, ce n'est pas encore suffisant, on a découvert des enceintes. D'accord, ça me plaît. Sur le principe, ça me plaît, chers amis, next. Next, next, next. Increase reputation gain by 3%. Oh, ah, bon, bah écoutez, on n'a pas le droit d'y retourner. À mon avis, c'est parce que le joueur a quitté la partie. L'autre joueur a dû quitter la partie. Et on a encore un 1 contre 1. Et il a 700 points de plus que moi. Génial. Génial, génial. Mais bon. Non, pratiquement 800 points, non. J'ai pas fait attention. Pratiquement 800 points de plus que moi même, j'irais. Je croyais, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas tout à fait sûr encore. Je vais passer par là, histoire d'attaquer directement la base ennemie. Essayer de le surprendre un minimum. Et habituellement, quand je fais ça, je me fais eu. Bêtement. C'est ce que j'étais sur le point de dire, justement. Hop. Crac. Si on peut faire un kill au passage, ce serait cool. Hop. Honnêtement, si on peut faire le kill, ce serait génial. Alors qu'on m'explique comment il fait son kill, lui. Comment il est venu jusque là. Sachant. Ah, le v'là, lui. Ah, oh, bah oui, mais bien sûr. Je fais pas le poids. Jeu de merde, je fais pas le poids. Il a même un drone. Mais non, mais je fais pas le poids, c'est débile. C'est débile, comment veux-tu que je fasse le poids? Ah bah bien. Franchement non, mais non, mais non. Non, non, là le jeu est pas équitable. Le jeu est pas équitable. Alors non seulement il est pas équitable, mais en plus je fais la double perte. Je perds la partie et je perds des équipements. Non, non, je suis désolé, c'est pas équitable. Ah, le rage quit là. Il y a le rage quit qui part dans le sang là, faut que je résiste. Non, non, je suis désolé, c'est pas équitable du tout, c'est débile. Ma seule capacité à gagner c'était de réussir à aller jusqu'à leur base. Et non, j'ai pas réussi à battre via ce moment là, via ce truc là. Donc c'est vraiment chiant. Le jeu récompense très mal parce que c'est que du gris, hein, que du gris moisi. Ah bah ils vont entrer en maintenance dans 5 minutes en plus. Bon, bah ça fait un épisode qui va être très très court du coup. Oh là là. Ou alors je le reprends après. Je vais regarder si je peux pas mettre l'enceinte devant. Hop. Hop, c'est ici. Crac, je peux pas la mettre devant. Crac. Je peux pas la mettre. On va enlever le eagle. D'accord. Crac. Voilà. On passe à 11%. Est-ce qu'on a autre chose qui... Je veux dire, si on a des choses qui... Voilà, ça rapporte combien par exemple? Non, ça rapporte rien. 1%. J'en ai pas mis un justement derrière... Si, là. 1%, c'est pas suffisant, je veux dire. Hein. C'est... Si je peux mettre quelque chose qui rapporte un peu plus que 1%, moi, ça me...
2%, 1%, 2%. Alors, comment je vais réussir à la faire pivoter dans le bon sens? C'est chiant! C'est chiant, c'est chiant. Eux, c'est pas bon. Q, c'est pas bon. C'est chiant, c'est chiant. Oh là là! Ce serait peut-être temps de commencer à corriger ce genre de choses. Oh, je vais te passer en QWERTY. QWERTY qui passe pas. Génial. De mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Bah écoutez, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Une demi-heure pour changer la position d'une pièce, nom de Dieu. Eh ben non, eh ben fuck it, voilà. Eh ben écoutez les amis, sur cette déception qu'on va se laisser, merci de l'avoir regardé, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce briser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dans pas trop de liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé pour la durée de cette vidéo qui est un peu courte, malheureusement je ne vais pas pouvoir faire mieux vis-à-vis de la maintenance qui arrive, hein. Vous connaissez le principe des maintenances. Hein. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour cette aventure, salut les gens et yoop.